Bonjour tout le monde, on y va avec la correction de l'examen 5 dans notre cahier LIDEC pour la préparation à l'examen de laboratoire de sciences de CAP. On y va avec le numéro 1. Donc, numéro 1, on nous dit lequel parmi les phrases suivantes décrit le mieux l'effet de serre? Et ça, là, il faut aller lire donc sur l'effet de serre. Ça, c'est sûr, parce que c'est pas mal certain que vous allez avoir là, une question là, sur l'effet de serre. Les gaz à effet de serre, GES, là, c'est pas mal certain. Fait que la réponse, donc lequel qui décrit mieux, c'est quoi l'effet de serre? Donc, certains donc, gaz proviennent provoquent le réchauffement de l'atmosphère terrestre en emprisonnant la radiation infrarouge, les rayons IR, comme ça, infrarouge, émis par la Terre. Pourquoi que les autres ne fonctionnent pas? Ben, c'est parce qu'ici, on n'a jamais parlé de rayons ultraviolets, là. C'est les rayons infrarouges là, qui donnent la chaleur. Infrarouge, là, qui est de l'énergie donc thermique. Ensuite, pourquoi en A, ça ne marche pas? On nous dit certains gaz sont formés par l'action du rayonnement infrarouge en provenance donc du soleil. Non, tu sais, ce n'est pas là, des gaz qui sont formés, là. Donc, ce n'est pas ça, là. C'est vraiment que les gaz, donc, ils vont comme réchauffer donc l'atmosphère. Puis les autres, ben, tu sais, c'était pas une définition là, qui était vraiment donc intéressante. Ici, donc, je pense que la réponse c'est le D, mais ça fait partie de l'univers vivant. L'univers vivant. Fait que c'est bien certain que on va aller mettre un gros X là-dessus, donc on fera pas ça. Après ça, donc, numéro 3, on nous demande la portion d'électricité produite au Québec là, qui provient des centrales hydroélectriques, c'est la majorité, là. Fait que c'est sûr que c'est pas 100, mais c'est presque 100, c'est 97. Mais je pense pas, là, c'est qu'on aurait finalement donc une question donc là-dessus. Fait que le numéro 2, on enlève ça, univers vivant. Moi, je vais l'écrire aussi dans mes affaires, comme ça ici. Et numéro 2, ben écoute, ça me surprendrait. On s'en va de l'autre côté, donc vraiment une meilleure question. L'autre côté, donc ici, on nous dit au numéro 4. Le schéma montre une réaction chimique illustrée à l'aide du modèle de particules de matière. Donc, on veut savoir lequel qui est le mieux illustré. Fait que si, ben, si on peut aller se mettre là, les petites légendes là, à l'intérieur donc des atomes. Donc, on a du N avec du N. Fait qu'on a du N2. Ici, on a un H, 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 H et H. Fait qu'autrement dit, on a du H2, mais trois fois. On peut mettre un petit plus. Ici, ben là, on a du H. H, 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 des petits atomes, là, c'est du H. Le noir, donc, c'est du N. Fait que c'est du NH3. Donc, ça, ben, c'est sûr que c'est deux fois parce qu'on a comme deux molécules de NH3. C'est comme ici, là, on avait trois molécules de HH. Fait que c'est sûr que la meilleure, donc, qui fonctionne, c'est ici, comme ça. Puis là, ben, on mettrait notre petite flèche. Numéro 5, les gaz donc naturels domestiques. Le gaz naturel domestique est constitué de méthane. Sa combustion produit de la chaleur qui sert en cuisine pour le chauffage. On veut savoir lequel équation, l'équation est non balancée. On veut savoir quelle modification qu'on devrait apporter pour la balancer. Fait que dans le fond, on peut aller chercher tout simplement avant la flèche puis après la flèche le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, faire la même chose, donc après la flèche, le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, puis on va aller le calculer. Donc, on commence avec le carbone. Donc, on a une molécule, puis on a un petit chiffre sous-entendu, donc ici, un indice. Fait qu'on sait qu'on les multiplie. Dans ce temps-là, c'est un atome de carbone. Ici aussi, un petit 1, puis un petit 1, donc 1 fois 1 qui donne 1. Si on recommence, donc pour l'hydrogène, donc on a 1 fois notre petit 4, donc on en a 4, donc ici. L'hydrogène de l'autre côté, ici, donc 1 fois 2, on en a 2. Jusqu'à date, bien là, c'est pas pareil, hein? C'est pareil pour le carbone, par contre. Puis ensuite, bien, on y va donc pour l'oxygène. L'oxygène, si on prend notre couleur, 1 fois 2, donc on en a 2. Et ici, pour l'oxygène, on fait attention, là, il y en a là, puis il y en a là, donc de l'oxygène. Donc, 1 fois 2 qui va me donner que j'en ai 2 ici. Puis ici, ben 1 fois 1, donc j'en ai un autre ici, fait que ça veut dire que j'en ai 3. Je vais essayer donc d'avoir le même atome d'hydrogène ici en faisant fois 2 pour que j'en aie 4, 4, donc de chaque côté. 4, 4, donc de chaque côté.
C'est pour ça que je suis allée me rajouter un petit 2. Donc ici, on va voir qu'est-ce que ça fait comme changement. Ça fait un changement sur l'oxygène. Fait que l'oxygène, là, ici, j'en aurais donc 2. Fait que ça veut dire que je suis rendue à 4. Fait que si je veux faire la même chose de l'autre côté pour me rendre à 4, il va falloir que je fasse soit 2. Je vais rajouter donc un petit 2. Et voilà, donc le tour est joué. Fait que ça veut dire qu'il faut placer un 2 devant le O, puis un 2 devant le H2O. Fait que c'est le D. On s'en va au numéro 6. Le numéro 6, là, je doute, là, tu sais, finalement, qu'on aurait ça intégralement. On vous donnerait là un petit peu plus donc, de détails. Là. Fait qu'on dit, afin de neutraliser l'effet néfaste des précipitations acides sur le lac, on peut y dissoudre donc, de la chaux. Fait que, tu sais, le but, là, c'est que on sait que ça, c'est un acide. On vous le dirait, là, admettons. Il faudrait vous le dire, là, parce que sinon, ce serait trop complexe. Là. Admettons qu'on vous dirait que ça, c'est de l'acide sulfurique, que ça, c'est notre base, donc c'est notre chaux. De la chaux, là, CHAUX, pas le chaud, c'est chaud, là. Ça, on nous dirait que c'est du sulfate de calcium. Sinon, on ne peut pas le deviner, là. Puis ici, ben, on a de l'eau, H2O. Fait que là, on se rend compte qu'on a un acide plus une base qui donne un sel plus de l'eau. Oh, fait que là, c'est une réaction de neutralisation. Fait que là, on veut savoir lequel des énoncés suivants concernant cette réaction est vrai. Ben, la chaux, donc, est une base. Pourquoi qu'elle est une base? Ben, elle finirait donc par OH. Le sulfate de calcium, ben, le sulfate de calcium, ce serait le fun qu'ils nous le disent, là. Ils nous l'auraient dit, admettons, là. C'est du SaO4. Ben, c'est pas une base pantoute, c'est un sel. Pourquoi? Parce que ça commence donc avec un métal, puis ensuite de ça, j'ai plein, 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 plein de non-métaux ensemble. Donc, dans ce sens-là, on dit que c'est un groupement donc de non-métaux. Après ça, le B, pourquoi que c'est faux? On nous dit que le sulfate de calcium donc neutralise la chaux. Mais non, qu'est-ce qui neutralise la chaux qui est une base? C'est pas le sulfate de calcium, ça serait donc l'acide sulfurique, là, ça c'est sûr. Puis en A, ben, le sulfate de calcium neutralise l'acide sulfurique. Donc, le sulfate de calcium, tu sais, dans le fond, ça ne serait pas le sulfate de calcium pantoute, là, ça serait la chaux. Mon Dieu, j'ai comme un petit bug dans mon cerveau. Donc, c'est la chaux, ce ne serait pas le sulfate de calcium, puisque le sulfate de calcium, c'est un sel. Un sel, ça ne neutralise rien. Qu'est-ce qu'on prend pour neutraliser un acide? Ben, c'est toujours donc une base. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a un flux qui nous donne là, quoi qui est quoi. Sinon, ça aurait été une bonne question. Sinon, non. Numéro 7. On veut savoir lequel énoncé suivant se rapporte au modèle atomique de Rutherford-Barre, autrement dit, le dernier modèle qu'on a vu, le modèle final. Donc, la réponse, ça serait le B. On va aller voir le B, elle qui est vraie. Puis après ça, on va aller voir pourquoi que les autres sont faux. Donc, La vraie, des électrons chargés négativement sont en orbite autour d'un noyau chargé positivement. Fait que jusqu'à date, là, c'est pas mal ça, là, tu sais, qu'on pense, là. Ça peut changer, donc on ne sait pas, dans des millions d'années. Mais jusqu'à date, on a des protons. Puis tout le tour, ben, on a des électrons donc, qui gravitent donc, autour. On va aller voir pourquoi que les autres sont fausses. Fait qu'on nous dit des électrons chargés positivement. Ben non, les électrons, c'est chargé négativement, sont autour d'un noyau chargé. Donc, autour d'un noyau chargé, donc négativement. Fait que c'est le contraire. Donc, ici, c'est positif. Ils ont inversé finalement les charges. Ensuite, la force qui retient en C, la force qui retient les électrons en orbite, est une force nucléaire. Ben non, c'est une force d'attraction électrostatique. Fait qu'autrement dit, ça fait en sorte que c'est le plus et le moins donc, vont s'attirer. Parce que les électrons sont négatifs. Les protons sont positifs, fait que c'est une force donc électrostatique et non une force nucléaire, c'est pas ça. D, la force qui retient les électrons en orbite est de même nature que celle qui attire deux aimants. C'est pas la même nature que la que tu sais, c'est pas des champs donc magnétiques, c'est pas ça. C'est une force d'attraction électrique. Donc on a des charges opposées, donc électriques, puis des charges opposées s'attirent. Fait que ça n'a pas rapport donc avec les aimants, ça c'est sûr. Numéro 8, on ne fait pas ça, parce que ça a rapport avec le STE, parce que nous, en ST, on parle pas pantoute, donc d'isotope. L'autre côté, numéro 9, ici,
Numéro 9, lequel des énoncés suivants concernant la notation de Lewis donc est vrai? La notation de Lewis, hein, on le sait là que on prend donc admettons donc un atome comme ça ici, puis sur une espèce de carré imaginaire, donc on va aller mettre donc les électrons donc de valence comme ça ici, les électrons de valence, ben on va aller chercher avec le numéro de la famille. Le numéro de la famille là, c'est en haut de chacune des colonnes. Fait que la A, là, ça marcherait. Les symboles des éléments d'une même famille sont entourés du même nombre, donc, de points. Fait que chaque élément dans une même colonne ont le même nombre de points. Pourquoi que les autres ne marchent pas? Ben, c'est parce qu'ici, on parle de période. T'sais, nous autres, on ne veut pas savoir la période, on veut savoir la famille, donc les colonnes. Fait qu'il faudrait remplacer ici le mot famille. Numéro C, le nombre de points entourant, donc, le symbole d'un élément représente le nombre de couches électroniques. Ben non, ça, là, c'est les périodes qui donnent ça. Fait que nous autres, le nombre de points ici qui entourent donc l'élément, ça représente le nombre d'électrons de valence. Fait que électrons de valence. Puis en D, les éléments entourés du plus grand nombre de points sont donc les plus réactifs, pas nécessairement, parce que les plus réactifs, ça peut être soit les alcalins. Alcalins. Les alcalins, ben oui, donc c'est sûr que tu sais, ils sont dans la famille 1. Fait que dans la famille 1, ben ils ont juste un électron de valence, là, juste un, là. Ils sont super réactifs parce que leur but, là, c'est de compléter leur dernière couche qui est pleine. Fait que le plus facile, c'est de perdre un électron. Puis, ben, c'est pas, donc, admettons, là, un élément qui aurait 8 électron de valence, là, qui est le plus réactif, parce qu'il y a 8 électrons de valence, ben c'est clair que c'est un gaz stable. Fait que l'autre qui serait vraiment réactif, ben ce serait les halogènes. Les halogènes, c'est dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique, autrement dit la famille 7, et on aurait 7 électrons de valence, donc tout le tour, fait qu'il en resterait à aller en chercher un huitième pour compléter sa dernière couche. Fait que non, c'est pas vrai. Numéro 10, oh, donc là, on a un petit jeu de charge. Fait que ça, on aime ça. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir une question donc, comme ça, donc à l'examen. Fait que qu'est-ce qu'on a à savoir, c'est que, avant de commencer, c'est que les charges, admettons, plus et moins, ou moins et plus, la même affaire, là, ben eux autres, ils s'attirent. S'attirent. Puis les charges opposées, moins, moins, plus, plus. Eux autres, ils se repoussent. Avec ça, en sachant ça, ben, le tour est joué, là. Ça va être facile, donc, de comprendre comment ça marche. Fait qu'on nous dit. Fait que c'est un jeu. Ça, c'est un jeu de logique, là. Tout le monde est capable de faire ça. Les sphères ABCD illustrées, donc, ci après, sont toutes chargées électriquement. Ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui sont neutres. Voici les propositions adoptées par les sphères lorsqu'on les suspend deux à deux. Par lequel des schémas suivants représente la position adoptée par les sphères AC ensemble, puis BD ensemble, si on les suspend, encore là, donc 2 à 2. Fait que là, on fait, là, vous allez dire, bien là, ils ne nous disent pas là, lequel qui est positif, lequel est négatif. Bien, nous autres, là, on va faire des propositions. On va faire un exemple, donc, fictif, puis ça va marcher. Qu'on choisisse plus ou moins, donc au départ, ça ne dérange pas. Fait qu'ici, là, ça se repousse, bien, Colin, ça se repousse, on va mettre plus, plus. Ici, ça s'attire, mais le B, regardez bien, là, je l'avais mis positif. Fait que le B, c'est un jeu, là. Il reste donc positif. Qu'est-ce qui se repousse? Qu'est-ce qui s'attire par contre, contrairement à ça, donc avec le plus, ben, c'est un autre plus. Fait que ça veut dire que C, je viens de déterminer, donc c'est plus. Et si C et D se repoussent, ben, automatiquement, D, c'est négatif. Fait que là, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est que je vais aller copier pour chacun les signes que je viens de décider pour le A, le B, le C puis le D. Fait que le A, on avait dit que c'était positif. Le C négatif, B négatif, D négatif, le A, tiens, on va aller voir ici, là, comme ça, là. Donc, le A, donc c'est positif, le C négatif, le B, on a décidé que c'était plus, on conserve là, qu'est-ce qu'on avait décidé, le D c'est moins, ici, tiens, je vais aller copier ça super rapidement, plus, moins, il faut juste faire attention de recopier, donc bien nos affaires, puis là, on regarde si ça fonctionne. Fait que là, plus et moins, ben non, c'est censé s'attirer, fait que ça marche pas. Donc non, ça marche pas. Ici,
Hein, des charges donc, qui sont donc différentes. C'est censé s'attirer. Non, ça ne marche pas. Ici, plus et moins. OK, ça marche. Donc, ça s'attire. Plus et moins, ben non, c'est censé donc s'attirer. Ici, plus et moins. OK, donc là, ça marche. Ici, ah merde, donc plus et moins, c'est censé s'attirer au lieu de se repousser. Fait que non, donc ça ne marche pas. Ici, plus, moins, les deux s'attirent, c'est OK, dans les deux cas. Fait qu'on encercle, donc c'est correct. L'autre côté, numéro 11, ça va être du STE, ça. Je vais aller le faire, ça, admettons qu'il y en a là, qui révisent donc, un jour donc, avec le STE. Sinon, donc, vous pouvez passer. On nous dit, lors d'une expérience en laboratoire, vous désirez donc réduire l'intensité de courant qui traverse le filament d'une ampoule dans le but de diminuer donc l'éclairage. Fait que j'ai une petite ampoule donc ici. Donc, elle, là, je veux qu'elle éclaire finalement donc moins dans son petit fil de tungstène, donc ici, là. Bon. Fait que, on nous dit, lesquelles des manipulations suivantes devriez-vous exécuter? Pour s'aider, on va aller revoir hein, qu'on s'est dit qu'en série, puis en parallèle, ben c'est sûr que l'intensité de courant en ampères, la différence de potentiel donc en volts, puis la résistance donc en ohms, ne va pas se comporter de la même manière. En série, l'intensité de courant reste égale, en parallèle, ça s'additionne, et l'autre, ça fait le contraire. Pour aller chercher la résistance équivalente, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en série, on additionne toutes les petites résistances. On n'a pas à faire ça, donc, en ST. C'est vraiment, vraiment juste en STE. La seule affaire en ST qu'on a besoin de savoir, là, c'est ça. Puis ici, ben, on additionne l'inverse, donc, des résistances, de toutes les petites résistances, pour aller chercher la résistance équivalente. OK. Fait que, on nous dit, lesquelles des manipulations suivantes devriez-vous exécuter puis qui marchent? C'est 2 et 3. Qui correspond à C? Fait que réduire la tension aux bornes de la source de courant. Fait que si je réduis donc la tension comme ça, la tension, là, c'est le U. Donc, si je réduis la tension aux bornes de la source de courant, c'est sûr que je vais avoir automatiquement donc moins de courant. Fait que c'est sûr que mon intensité de courant donc, va baisser. C'est logique. Ensuite, insérer donc un résistor en série. Résistor en série, je vais changer de couleur, comme ça, avec l'ampoule. Ben oui, parce que si j'augmente, je mets plus de résistance, ben je sais que au niveau donc de série, l'intensité de courant donc va diminuer. Plus de résistance, il y a moins de courant qui va passer, donc c'est vrai. Les autres, c'est faux, parce que si j'augmente la tension aux bornes de la source, ben c'est sûr que mon intensité de courant donc va monter. Fait que tu sais, c'est le contraire là, que je veux faire. Je veux avoir moins de lumière. Si je branche un résistor en parallèle là c'est ici là, brancher un résistor. Donc si j'en mets plus ou si j'augmente donc la résistance, ben ça va faire le contraire finalement donc avec l'intensité donc de courant. Fait que c'est clair qu'en parallèle, donc, si j'ai plus de résistance, bien, c'est sûr que l'intensité de courant, donc, va diminuer. Donc, quand je suis en parallèle, c'est inversement proportionnel. C'est comme la logique, mais on laisse faire vraiment ça, là, pour le ST, là. Donc, ça, c'est sûr. Numéro 12, donc, on a un grille-pain qui va fonctionner pendant 1 minute. Oups, il ne faut pas passer à côté de ça. 1 minute. Quelle quantité d'énergie a-t-il consommé s'il est alimenté par un courant I de 10 ampères? Fait que là, il faut comprendre aussi qu'il est branché sur du courant normal, donc au Québec, sur du 120 volts. Fait que ça, il faut comme le savoir un petit peu par cœur. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher donc l'énergie. Fait que l'énergie, on a une formule pour ça qui est P fois la variation, fois le temps, comme ça, la variation donc du temps. On sait que P, là, c'est la même chose que, comment que je vais aller la calculer, là, la puissance, c'est U fois I. Fait que puissance est égale à U fois I, fois, finalement, donc, mon temps. Ou je peux aller calculer U fois I, puis insérer ça, donc, ici, là, c'est comme je veux, là, il y a plein, plein, plein de manières, là, de calculer tout ça. Plusieurs chemins qui mènent à Rome, finalement.
Donc, mon U, c'est 120 volts. Mon intensité de courant, c'est 10 ampères. Puis mon temps, ben, je veux ça en secondes. Il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que toujours que je convertisse mes minutes en faisant fois 60 pour les avoir donc en secondes. Je calcule tout ça. Ça me donne un gros chiffre, 72 000 joules. Et qu'est-ce que je fais pour avoir une réponse en kilojoules? Puisque dans mes choix de réponse, c'est en kilojoules. Il faut que je me rappelle que pour passer de joules à kilojoules, il faut que je divise par 1000. Fait que joules à kilojoules, je m'en rappelle, il faut que je divise par 1000. Fait que je divise ça par 1000. Je divise, oh, je tasse ma virgule de 3, donc ma virgule s'en viendra ici. Là, je ne mettrai pas ici. Là. Ça va donner 72 000 kilojoules. Et la réponse est là. Ici, au numéro 13, on nous dit au Québec, le coût de l'énergie électrique est l'un des plus bas au monde. Quel est le coût, puisqu'ils ont beaucoup de barrages, c'est facile de faire de l'électricité chez nous. Quel est le coût d'utilisation d'une ampoule qui a une puissance, fait que ça, il faut que je sache ça par cœur, hein, que la puissance, donc c'est en watts, pendant une journée à la maison. Fait que là, c'est à savoir qu'une journée, ben, c'est 24 heures, hein, ça c'est sûr, donc ça c'est pour mon temps. Fait que moi, là, quand je veux calculer comment que ça me coûte, je veux calculer l'énergie que j'ai dépensée. Fait que je prends tout le temps ma formule de l'énergie, puissance, donc fois le temps. Pourquoi je n'ai pas pris le U fois I comme tantôt? Ben, c'est parce qu'il ne me le donne pas, là. Ni le U, ni le I. On me donne directement ma puissance. Je vais faire fois mon temps qui est de 24 heures. Ça va me donner 1680 watts fois des heures. Et moi, là, je veux savoir, ben, tu sais, je veux savoir le coût quand que je dépense des kilowattheures. Fait qu'il faut que je transforme mes wattheures en kilowattheures. Ça, il faut que je cherche ça par cœur en divisant par 1000. C'est comme passer de mètre à kilomètre. Donc, je divise par 1000. Ça va me donner 1,68 kilowattheures. Et ça me coûte 8 cents le kilowattheure. Fait que je vais faire fois 8 sous, comme ça ici. Puis, ça va me donner 13,44 sous. Je vais arrondir ça à 13. Fait que le numéro, c'est le C. Pas d'autre numéro sur cette page-ci. On s'en va de l'autre côté. On n'a pas de questions donc sur les solénoïdes. OK, donc ce n'est pas au programme pour le ST. C'est peut-être donc pour le STE, là, ce serait peut-être donc une question. Mais nous autres, là, on n'en a pas. C'est sûr, des questions là-dessus, là. Pour le ST, fait que ceux qui sont en ST, là, on passe, ça c'est bien certain. C'est avec donc la règle à main droite, en passant. Il faut savoir que nord et sud, je fais pareil, OK? Donc, s'attirent, attirance. Puis, si admettons que j'ai nord et nord, sud et sud, bien, ça se repousse. Repousse, OK? Qu'est-ce que je dois savoir? C'est que il va falloir que je mette ma main pour représenter, les doigts de ma main vont représenter le sens du courant. Les doigts de ma main représentent le sens du courant. Et en passant à ST, on passe cette question-là. Le pouce représente le sens des lignes. C'est la deuxième loi, là, tu sais, de la main droite, là. Les lignes de champ magnétiques. Puis, on sait que les lignes de champ magnétique, ben, ils vont vers le nord. C'est, admettons, là, que j'aurais, donc, comme ça, ici, là, donc, une boussole, une boussole, en plein ça. Fait qu'ici, donc, on a, donc, le courant, dans le fond, qui va voyager, donc, comme ça, parce que le sens du courant, ben, ça va tout le temps, donc, du plus, donc, au moins. Ce serait le fun de l'écrire, du plus au moins. Fait qu'on s'en va ici là, pour le courant. Fait que je mets dans le fond ma main là, qui va comme passer par en arrière. Fait que je vais voir mes angles. Fait qu'il fait en sorte que les lignes de champ magnétique qui vont être représentées par mon pouce. Mon pouce là, va comme donc être ici, là. Mon Dieu, j'essaye de dessiner ma main, là. 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurai donc ici mes angles là, que je verrai. Puis, on a donc mon petit angle ici. Fait que ça, ben, c'est sûr que ça représente les lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique, ben, le nord pointe aussi dans cette direction-là. Fait que c'est sûr qu'ici, j'aurais le nord puis le sud de mon électroaimant. Fait qu'on aurait donc une attirance. Fait qu'ici, ça serait attirance.
comme ça ici. Puis nous autres, on cherche une répulsion en passant. Ici, donc le sens du courant, donc ça en va comme ça. Fait que ça veut dire que ma main passerait par-dessus. C'est comme ça ici. Fait que j'aurais ma main avec mon pouce. Je ne verrais pas donc mes angles. OK? Donc mes angles, là, je ne les vois pas, comme ça ici. Puis j'aurais donc mon tic-tex, donc ici, là, comme ça. Donc mon angle, là. Fait que ça veut dire que le nord serait ici, le sud serait là. Fait qu'ici, ben, dans ce cas-ci, on aurait aussi une attirance parce que sud et nord, tu sais, ça devient comme une grosse aimant, là. Sud et nord, ben, ça s'attire. Fait qu'attire ou attirance. Ici, donc, on a encore deux solénoïdes. Donc, ben, on en a deux au lieu de remplacer. Donc, au lieu d'en avoir un, puis avoir donc un aimant. Fait qu'ici, on a le sens donc de courant comme ça. Fait que ça veut dire que j'envoie mes mains par en arrière. Donc, j'ai mon pouce comme en haut. Là, c'est la même chose finalement, le même dessin qu'en haut. Fait qu'ici, c'est le sud. Ici, c'est le nord. Ici, est-ce qu'on a le même dessin donc qu'en haut? Oui, on a le même dessin donc qu'en haut. Fait que, oh, attendez, voir. Ah non, on n'a pas le même dessin qu'en haut parce que c'est comme interchangé, là, les plus puis les moins. Fait que ça veut dire que mon courant, donc, s'en va par là. Je vais enfiler donc ma main par en arrière. C'est le même dessin qu'à côté, finalement, là. Fait qu'on aurait sud et nord. Fait que c'est comme si j'aurais deux gros aimants. Fait qu'ici, ben, on aurait donc une attirance encore. Et on s'en va. Ça s'attire. Nous autres, on cherche une répulsion. J'imagine qu'on va l'avoir avec l'autre. Fait que si mon premier dessin, mon courant s'en va par là, c'est le même dessin que lui, juste à côté, donc à gauche, là. Fait que c'est sud et nord, comme ça ici. Puis, on a donc un solénoïde, la même chose que là, là. Fait qu'on lui, on l'a déjà fait, là. Fait que nord et sud. Enfin! J'aurais comme deux solénoïdes aimants, donc qui se repousseraient, parce que nord et nord, ça se repousse. Fait qu'on a le D. Mais le ST, on passe. Donc, on ne va pas donc faire ça. Fait que la réponse, c'est le D. Ensuite, on nous dit donc ici, lequel des chaînes de transformation d'énergie suivantes correspond à l'utilisation d'un sèche-cheveux? Fait qu'on y va donc avec la logique. Pas sûr qu'on a des questions sur cette forme-là, mais quand même, la transformation d'énergie, c'est le fun. Fait que, puis en passant, on veut savoir qu'on nous dit que le sèche-cheveux, là, il provient donc d'une éolienne. Fait qu'on y allait avec la chaîne là, qui fonctionne. Fait que, on commence avec l'énergie éolienne. Ça a bien du bon sens, parce que l'énergie éolienne, ben, c'est des palmes qui vont, dans le fond, bouger donc avec le vent. Si ça bouge, c'est de l'énergie cinétique. Il y a du mouvement, énergie donc cinétique. Ça, c'est bien correct. Cette éolienne-là, donc avec les turbines, là, les alternateurs, là, toute la kit, on va transformer ça en énergie électrique. Sous forme énergie électrique que je vais pouvoir utiliser avec mon séchoir sous forme de chaleur. Et c'est sûr que, ben, c'est sûr que mon séchoir, finalement, donc, va faire bouger, donc, va faire actionner donc, le moteur donc, de mon séchoir. Fait que oui, il va avoir de l'énergie cinétique parce que j'ai une augmentation de température et quand j'ai une augmentation de température, ben j'ai une augmentation d'énergie cinétique et aussi mes cheveux, ils bougent. Ici, la question, c'est de l'univers vivant, fait qu'on ne fait pas ça, fait qu'on écrit univers vivant. Il n'y aura pas de questions donc à l'examen avec l'univers vivant, fait qu'on passe. On s'en va directement au numéro 17. De l'autre côté, ici, donc on nous dit, vous versez une certaine quantité de sel de table dans un bécher et vous introduisez donc deux électrodes reliées à une source de courant continu. Une lampe témoin branchée en série avec les électrodes ne s'allume pas, indiquant que les sels ne conduisent pas à l'électricité. Vous savez pourtant que les acides, les bases et les sels, parce que le NaCl, c'est un sel, et pourquoi que je le sais? C'est parce que si je sépare ma molécule, ça commence donc avec un premier atome qui est un métal, suivi d'un non-métal. Fait que je sais que c'est un sel. Fait qu'on veut savoir pourquoi la lampe témoin ne s'allume-t-elle pas? Parce que moi, là, dans mon bécher, mon sel, là, il est solide. Il n'est pas dissous. Fait que les propriétés électrolytiques, donc du sel, donc requièrent que le sel soit en solution. Là, il faudrait écrire ça dans nos mots, là. Ça requiert que le NaCl solide, qui n'est pas conducteur solide, doit se dissoudre dans l'eau et là, ça va se dissocier en ions plus et en ions
Cl moins parce qu'on sera en solution aqueuse. Et pourquoi plus? Parce que le métal, c'est toujours, ça devient tout un ion positif. Le non-métal, donc un ion négatif. Fait qu'il faut absolument que, pour que les ions ici ne soient pas prisonniers de la molécule, ben, il faut que, prisonniers dans le cristal là, du sel, il faut qu'ils soient dissous dans l'eau. Donc, sinon, ben, on ne seront pas ionisés. Numéro B, dans quelles circonstances la lampe s'allumerait-elle, donc en utilisant ce même sel? Ben, si on dissout dans l'eau, si on dissout dans l'eau, dans le fond, notre NaCl, fait que là, les ions vont se dissocier, ils vont être libres de se déplacer, ils vont devenir des conducteurs, donc d'électricité, parce qu'il va avoir finalement donc deux charges, comme ça ici qu'on a représenté, là, deux charges donc électriques qui sont libres, des plus et des moins. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'électricité donc circule? C'est qu'il y a présence d'ions, il y a présence de charge, et quand il y a présence de charge, on dit que c'est un électrolyte. Ici, dans une usine d'embouteillage de jus de fruits, un technicien en laboratoire mesure la teneur d'acide ascorbique, vitamine C, d'un échantillon et rapporte une valeur de 350 ppm. On va toujours avoir une question sur les ppm. Il faut se rappeler que les ppm, c'est la même chose que des milligrammes pour un litre. Fait que si j'ai 350 ppm, ça veut dire que c'est la même chose que 350 milligrammes sur un litre. On nous dit, lors de la mise en marché de ce jus, devrait-on écrire sur l'étiquette de la bouteille, que devrait-on écrire sur l'étiquette de la bouteille si les indications y sont fournies en milligrammes pour 250 millilitres? Fait que là, nous autres, ben, on va y aller pour 250 millilitres. Qu'est-ce que ça va donner donc en milligrammes? Nous autres, on n'aime pas ça des millilitres. On va les convertir en litres. Et comment qu'on fait pour passer de litres à millilitres? Il faut le savoir. Je mets ça dans un petit nuage, là. Il faut diviser par 1000. Fait que ça va nous donner 0, ça, c'est la même chose, là, que 0,25 litres. 0,25 litres. Et on cherche ça ici. On va faire le petit produit croisé. Puis en général, ben, il faut donc faire notre calcul. Si, admettons, on nous demande la démarche, fait qu'on ferait 350 mg fois 0,25 litres divisé par 1 litre et ça nous donnerait 87,5 mg. Alors, fait qu'on aurait donc notre quantité. Et c'est tout. L'autre côté, ça serait vraiment donc une question donc difficile. Ça serait un petit peu plus pour le STE. T'sais, pour ce faire, là, il aurait fallu qu'il nous donne là, un peu plus donc, de détails. Tu sais, là, que, tu sais, à l'écrire l'équation, là, tu sais, on le sait que la réaction qui se passe entre le CaCO3, elle va réagir avec le H2SO4 pour donner du CaSO4. Puis là, on ne l'a pas. Là, tu sais, il aurait fallu qu'ils nous le disent, là, du CaSO4. On nous dit que ça donne un dégagement de CO2, mais il aurait fallu qu'ils nous disent que aussi qu'on a un petit dégagement donc d'eau, H2O. Tu sais, ça aurait été vraiment donc plus facile. Ça, c'est le dioxyde de carbone, notre eau. Puis, ça aurait été le fun là, qu'ils nous donnent le CaSO4. On aurait pu le planifier si on est donc en STE, mais en ST, là, on laisse faire. Fait que ça, c'est une question donc STE, vraiment. Ici, au numéro 20. Là, on voit là, qu'on travaille avec l'électricité parce qu'on nous parle d'intensité. L'intensité, donc, c'est en ampères. On nous parle de tension. La tension, c'est la différence de potentiel. L'intensité, c'est I, là. Puis la différence de potentiel, c'est en volts. On a des petites questions donc là-dessus. On veut savoir quel résistor a la plus grande résistance. Bien là, ce serait peut-être le fun, donc, d'aller le calculer. Fait qu'on peut y aller mathématiquement, puis on peut y aller sous forme de logique. Moi, je préfère tout le temps mathématiquement, là. Ça donne des bonnes preuves. Donc, U est égal à RI. On va aller chercher la résistance. Il faut être capable, très à l'aise, d'isoler mon R en faisant le contraire de fois I qui est divisé donc par I, ou on l'apprend par cœur, U sur I. Puis, on va aller faire le même calcul pour chacun, donc, pour chacune donc, des pentes. Fait que ça veut dire que vu que ça passe tout le temps par 0, 0, je vais pouvoir me prendre un point qui arrive juste là. Fait que là, ici, on a 10, 8, hein? Donc, on compterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici,
On a 10, parce que j'ai compté, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oui. Puis ici, 1, 2, 3. On arriverait à 3. Donc, 10, 5 et dans le fond, on a 10, 3. On pourrait aller calculer la pente aussi. Ça n'aurait pas la même affaire, mais j'aime mieux y aller donc, avec la formule. Donc, pour la résistance, la pente 1, je vais mettre un petit 1. Donc, un chiffre romain comme ça. Donc, on fait 10 volts divisé par 8 ampères et ça va me donner 1,25 ohms. Pour la résistance 2, toujours 10 volts divisé par 5 ampères cette fois-ci, qui va me donner 2 ohms. Et la résistance 3, 10 volts divisé par 3 ampères, qui va me donner 3,3 ohms, comme ça ici, puis c'est périodique. Fait qu'on veut savoir lequel a la plus grande résistance. Bien, c'est sûr que c'est la pente numéro 3. On peut justifier donc avec nos calculs. Ou dire que, ben, que dans le cas de la droite, là, ici, là, celle-là, là, numéro 3, on a une augmentation de la tension. Quand la tension donc, augmente, ben, ça provoque une intensité du courant, une augmentation d'une intensité du courant, mais moins intense. Fait que ça veut dire que cette droite-là, ben, j'imagine que s'il y a moins de courant qui passe, il y a plus de résistance. Fait qu'on peut l'expliquer aussi donc, en logique. Si on s'en va donc de l'autre côté, c'est notre dernier numéro, donc déjà puis pas, hein, c'est quand même assez long. Les schémas suivants représentent des feuilles de carton traversées par une section de conducteur électrique reliée à une source de courant. C'est la première loi de la main droite. Puis en passant, donc nous autres, on ne fait pas la deuxième loi de la main droite là, avec les solénoïdes. Complétez le schéma en indiquant le sens conventionnel du courant, ainsi que l'orientation du champ magnétique engendré donc par ce courant. OK. Fait que là, nous autres, dans le fond. On sait que le courant, il faut mettre des détails, c'est ce qu'il nous demande, va tout le temps passer, ça, il faut le savoir, courant va tout le temps du plus au moins. Ça veut dire que le courant, on ferait une belle petite flèche comme ça, on mettrait un i, ça passe de même. Mon courant, du plus au moins, tiens, je vais aller le mettre là, là. Fait que du plus au moins, mon courant s'en va comme ça. Il virerait donc ici, puis ça reviendrait comme ça par là. Fait que mon courant, je peux mettre là avec des petites flèches de même. Après ça, on veut aller mettre donc le champ magnétique. Fait qu'on se rappelle que c'est la règle de la main droite. La règle de la main droite, ben, si admettons que je remplace mon fil. Tu sais, mon fil ici, là, qu'un courant électrique passe dedans, là, mettez votre crayon donc à la place, là. Puis mettez la pointe du crayon vers où? Que ça pointe. Puis on met toujours, toujours, toujours le pouce là, vers où donc que ça pointe. Fait que ça veut dire que si j'essaye de me dessiner ma main, 1, 2, 3, 4 doigts, comme ça, puis là j'aurai mon pouce de même. Et bon, boy, c'est pas bien ben beau, là, je le sais. Là. Ça serait mon Kitex. Si on va se mettre du Kitex bleu. Là. Puis ici, ben, on ne le verrait pas parce que les doigts donc, sont cachés. Fait que l'enroulement des doigts, prenez votre crayon là, qui enroule vos doigts, représenterait les lignes de champ donc magnétiques. Fait que ça veut dire que oh, ça tournerait comme ça, là, j'essaye de vous le représenter là, en 3D. Là. Ça tournerait comme ça, là. Oups, par en arrière, là. Fait que ça tournerait dans ce sens-là, dans le sens comme ça, donc des doigts de même. Après ça, ici, je vais essayer de vous dessiner donc ma main. Pas très bonne là, pour dessiner donc des mains. Fait qu'on met donc notre pouce donc, vers le haut. On met notre crayon donc vers le haut, donc qui pointe, comme si c'était donc notre fil. Fait que ça veut dire que j'aurai mon pouce ici avec l'enroulement 2, 3, 4 de mes doigts. Je vais aller mettre du Kitex comme ça. Je vais me remettre du Kitex donc ici. Ça serait ma main là, qui repartirait. Fait que ça veut dire que l'enroulement de mon champ magnétique serait comme ça, là. Dans le même sens que pointent mes doigts. Dans le même sens que pointent mes doigts. Je vais de l'autre côté. Fait que je mets mon crayon qui pointe vers le bas, parce que le courant pointe vers le bas aussi, puis mon pouce, donc, qui pointe vers le bas. Fait que j'aurai donc mon pouce, donc, ici, avec mes doigts, foulettes. Je ne vois pas mes ongles parce qu'ils sont en arrière. Puis, j'aurai ici, donc, mon Tiki-Tex. Fait que ça veut dire que
L'enroulement dans le même sens que mes doigts, ben, se frappe. Là, dans ce temps-là, prenez votre crayon, là, ça va être vraiment plus facile, là. Donc, elle va partir de là, on va passer par-dessus, là, de même, là, comme ça. J'essaie de représenter un petit peu mieux, comme ça, va passer finalement en arrière. Et ça veut dire que ça va s'en aller de même, là. Touc, 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 comme ça. Fait que j'ai dessiné mes lignes de champ. Fait que ça veut dire que le sens du courant est représenté par mon pouce, puis l'orientation du champ magnétique est représentée par l'enroulement de mes doigts. Et voilà, c'est fait. Il nous reste notre examen de chapitre 6.